Face aux dangers qui peuvent être liés au risque d'inondation et en complément des réponses collectives qui sont apportées, chacun doit être acteur de sa propre sécurité et être en capacité d'adopter un comportement qui soit adapté. Des outils qui s'améliorent de jour en jour sont mis à la disposition de tous pour aider à être vigilant et à ne pas s'exposer lorsque les conditions hydrométéorologiques sont préoccupantes. Les cartes de vigilance météorologique diffusées par Météo France, qui définissent des niveaux de vigilance, notamment pour les phénomènes pluie et inondation. L'outil Vigicru, qui permet pour de nombreux cours d'eau de prévenir les autorités et le public qu'il existe un risque de crue et qui qualifie ce risque en fonction de sa dangerosité dans les 24 heures à venir. Face aux phénomènes de pluie intense dont on redoute l'augmentation, le service gratuit Vigicru Flash est également mis à disposition des maires et des préfets pour transmettre automatiquement des avertissements sur certaines parties supérieures de bassins. Les maires mettent à disposition de leurs administrés des documents d'information et ils organisent la sauvegarde de leurs administrés au travers de plans communaux. Le projet de plan de gestion des risques d'inondation invite chacun à prendre connaissance de ces outils et à être ainsi mieux préparé lorsque des inondations surviennent. La vigilance est bien l'affaire de tous.